Yep, tout le monde, donc c'est Phasma et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans un premier temps, dans cette vidéo, je voulais vous parler du nouveau partenaire donc, qui est ebucks.eu, voilà. Donc vous avez un code de promo de moins 10% sur cette boutique, donc c'est une boutique qui propose plein d'insectes. Donc ça va du criquet au phasme, à la menthe, au coléo, vous avez franchement des espèces assez rares. Donc je vous invite à aller voir, le code promo s'affiche à l'écran, il est aussi dans la description. Le lien du site s'affiche à l'écran, il est aussi dans la description, voilà. Vous allez avoir des images du site qui vont défiler à l'écran normalement. Voilà, donc c'était pour commencer cette vidéo. Maintenant, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Allez, ciao ciao! Voilà, donc on se retrouve avec la suite de la vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de papillons. Donc voilà, l'annonce de papillons. Ce coup-ci, il y a une grande nouvelle pour Papillon, voilà, je vous le dirai juste après. Et dans un second temps, on va parler de la FAQ, donc voilà, je redémarre la FAQ, voilà. Donc on va commencer tout de suite avec Papillon. Donc Papillon, c'est une bourse qui se passe le 7 et 8 avril à Rieux-la-Pape, voilà, à l'espace 140 de Rieux-la-Pape. C'est dans le 69, bien sûr, dans le Rhône. C'est organisé par l'association ADN, d'ailleurs je les remercie énormément. Donc c'est une bourse qui sera ouverte de 9h30 à 18h30 de mémoire pour le samedi et le dimanche qui sera ouvert de 9h30 à 17h30. Donc c'est le 7 et 8 avril 2018 bien sûr. Voilà, donc j'exposerai à cette bourse. Grande nouvelle, j'expose à une bourse, donc ça va être la première bourse où j'expose, voilà. Donc j'espère que vous viendrez nombreux. Donc j'exposerai des choses pour présenter que je vendrai pas. Il y aura aussi quelques repros que je vendrai, voilà. Donc qui serviront à financer des projets ou des prochains achats. Donc par exemple là je vais vendre un couple de spinners à Zabenga. Voilà, j'ai fait des petites boîtes comme ça. Il y a Daraspunisis aussi, il y aura Tomeria, Parmexenus, Extato, j'ai prévu plein de trucs en fait. Toutes les repos qui seront vendus à cette bourse. J'exposerai bien sûr des insectes que je ne vendrai pas aussi. Je serai accompagné pour ce bourse de Desmond 4. Voilà, donc le lien de la chaîne est dans la description. Le lien du site aussi, si vous voulez aller voir, est dans la description. Voilà, donc c'était tout ce que j'avais à vous dire pour cette bourse. Voilà, je fais des petites cartes aussi comme ça. Voilà, donc c'était tout ce que j'avais à vous dire pour cette bourse. Donc venez me voir, nombreux, voilà. J'aurai un petit stand, je crois. Je vais prendre un. Je crois que j'ai pris un mètre ou deux mètres, voilà. Donc voilà. On va parler tout de suite de la suite de la vidéo, donc qui est la FAQ. Donc pour cette FAQ, je voulais que vous me posiez toutes les questions que vous voulez dans les commentaires, voilà. Et j'y répondrai sous forme d'une vidéo assez marrante, voilà. Donc j'essaie de faire un truc assez marrant, genre un petit montage sympatoche pour la réponse de la FAQ donc qui aura lieu. Donc je pense que vous allez avoir la semaine prochaine la vidéo papillon qui va sortir, voilà. Donc, la semaine d'après, pendant les vacances, parce qu'après je suis en vacances, et comme je suis en zone A, vous aurez sûrement la vidéo réponse FAQ qui va sortir. Et une grande surprise pour les 3 ans de la chaîne maintenant. Je vais faire une petite vidéo, alors là par contre ça va me demander énormément de temps de montage, donc je pense que ça va sortir plutôt la semaine, attendez je calcule, la semaine du 14 avril, voilà, donc plutôt la semaine d'après, vous voyez. Donc voilà, donc une petite FAQ, toutes vos questions en commentaire, n'hésitez pas, moi je vous dis à la prochaine, c'était Phasma, allez, ciao ciao.